C'est une bonne nouvelle pour les visiteurs et les touristes. Les parcs nationaux sont à nouveau opérationnels pour toutes les personnes désireuses de s'y rendre. Selon le quotidien en ligne Ogwe News, c'est au cours de la cérémonie d'installation des nouveaux conservateurs de ces espaces protégés par le secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, Christian Tchemambela, que l'information a été rendue officielle. Occasion pour ce dernier de présenter aux différents responsables les grands axes de mission de ces derniers et de les inviter au sens du devoir compte tenu des enjeux de l'heure en matière de gestion des parcs nationaux. L'opérationnalisation de ces parcs nationaux vient point nommé au moment où les autorités travaillent d'arrache-pied pour faire de ce secteur l'un des piliers majeurs de la diversification de l'économie gabonaise. Bien que cette reprise d'activité intervienne dans un contexte de crise sanitaire, ce qui sans doute réduit la fréquentation de ces aires, les autorités peuvent tout de même se réjouir de cette opérationnalisation des parcs nationaux. Pour rappel, ils ont été créés en 2002 à l'initiative du président Omar Bongo Ondimba avec pour ambition de valoriser le développement intelligent de l'écosystème en créant une nouvelle source de diversification de l'économie. Favoriser le développement de l'écotourisme comme alternative économique à l'exploitation des ressources naturelles du Gabon. Permettre au secteur touristique de contribuer de manière accrue au PIB national. Préserver la richesse de l'écosystème classé patrimoine mondial pour les générations futures. Enfin, créer des emplois pour les collectivités locales.